أنا يران توكتي واني ونيز نزار أنا قرأ إنو زار تربوتي نزار نعبل هادي إلا قيزن مولاي إبراهيم طالبي Même dans les campagnes, dans les montagnes, on voit des femmes, des vieux, des enfants, de tout le monde parler des Zinzar. C'est pour cela que je dis, les Zinzar, il y a un grand secret. Qui que ce soit ne peut pas l'expliquer là. Un secret que personne ne pourra expliquer. Zinzaren fut créé dans les années 70. Ils ont chanté à l'Olympia et leur dernier enregistrement, vendu à plus d'un million d'exemplaires, date d'il y a 20 ans. Deux décennies de silence discographique et médiatique, et pourtant leur musique est toujours vivante. Les bergers du Haut Atlas, comme les chauffeurs de taxi d'Agadir, continuent de parler d'eux comme d'une légende, comme d'un mythe de résistance pour un peuple confronté depuis des millénaires aux vagues successives d'envahisseurs. Toutes les cultures du monde inventent des anticorps pour se défendre. Parce qu'une culture, c'est comme un être humain. La culture amazigh a inventé les Zinzar pour se défendre et pour en même temps partager avec les autres. Au début des années 70, j'ai fait la connaissance d'Igout Abdelhadi, puis de Lassène Boufertel. Nous jouions ensemble au football dans notre quartier à Dechira.
Igout Abdelhadi, Moulay Ibrahim, Mohamed Hanafi, Mustapha Chater et Hassan Berry. Nous sommes comme les cinq doigts de la main. Les uns sans les autres, nous ne sommes rien. Lorsqu'il en manque un, nous sommes orphelins. C'est ça le secret des Anzars, c'est une relation d'abord, c'est soi-disant comme une familiale. Par exemple, si on cherche notre temps que nous avons passé entre nous, je crois que nous avons passé du temps plus qu'entre le monde de notre famille. Donc là, nous sommes plus qu'une famille. Chacun sans l'autre, c'est par exemple il a des problèmes, ou il est malade ou quoi que ce soit, il est toujours à côté de lui. Et on se sent bien entre nous. Par exemple, avant même que qui que ce soit de nous parle, on sait très bien ce qu'il veut dire. Donc il y a cette relation, je dirais, qui nous réunit là, une relation plus que familiale. 35 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Ce sont tous mes frères. C'est tes frères, oui. Ça a passé des années, 35 ans. Vous habitez tous dans le même quartier. Oui. En créant Izenzaren, notre souci à tous n'était pas l'argent. Notre but, il était de faire revivre la tradition musicale amazigh pour qu'elle soit reconnue au Maroc. Et puis pas seulement au Maroc,
mais dans le monde entier. Quand on parle des autres formations là, de musique là, qui se trouvent ici au Maroc ou ailleurs, on parle toujours d'une génération, d'une vague, ou de tout ça. Mais pour nous, les Nzars, c'est une cause. C'est la cause en Mazir en général. Donc, pour voir ces choses-là, ce n'est pas possible de voir un tel groupe qui reste 20 ans sans donner de nouveau. Et il est toujours vivant parmi les gens. Tout le monde chante encore ses chansons. Et quand on fait, par exemple, un spectacle, vous voyez comme les gens viennent de tous les coins. Pour moi, les Nzars, c'est une cause. Je ne sais pas si les autres membres de groupe sont d'accord avec moi, mais mon opinion, c'est, je dis toujours, les Nzars, c'est une cause. C'est la cause de la culture, de l'identité amazigh. Seulement avec une dimension qui est plus élargie, qui parle de l'humanité en général. Sauvegarder son identité et sauvegarder sur les autres. C'est ça qui explique le fait que 20 ans sans choses nouvelles, vous existez toujours. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est ça. Parce qu'on est dans un monde où quand on ne te voit plus, quand on ne t'entend plus, tu disparais. Oui. Vous n'avez pas disparu. Non, nous sommes toujours là. Je considère Zanzibar une troupe légendaire, une troupe, c'est un symbole pour moi. C'est un caractère pour moi. C'est un esprit pour moi. C'est un principe pour moi. Parce que tout ce qu'il y a des Zanzibar, il dit la vérité. Elle parle sur la pauvreté, la sécheresse. Tout ce qui est vraiment, tout ce qui est réel. D'après ce que j'ai compris, vous voulez comprendre. Cet artiste, vous voulez comprendre. Le comprendre, il est incompréhensible. Même pour nous qui sommes juste à côté. Tout le monde va vous le dire. Mais à chaque fois qu'on vient pour pêcher, on va le voir comme ça, comme un ami. Mais parfois il ouvre, parfois non. La majorité du temps, non, il n'ouvre pas. On demande à Hassan, il dit, ben, il dort peut-être. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un djinn. Un djinn, non. Parce qu'ici, il s'agit de musique et de chant laser. Il nous fout la chair de poule, il nous donne la chair de poule. Ouais. Lorsqu'il est sur l'instrument, et lorsqu'il chante, et lorsqu'il est en forme, il veut. Parce que parfois, il le fait alors qu'il est dérangé. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui le dérange. Mais s'il le fait alors qu'il est à l'aise, ah ben, ça donne vraiment de belles prestations. On est des artistes. Celui-là que nous avons, nous, chez nous, juste à côté, et nous côtoyons même, écoutez, c'est transcendantal.